Alors salut, me revoici. Cette vidéo est juste une transition dans les vidéos précédentes, dans la grande partie précédente. Nous avons vu comment ajouter et ensuite affecter les droits aux différents utilisateurs. Ensuite, nous avons vu dans une seconde vidéo comment supprimer ces mêmes utilisateurs. Nous verrons dans la grande partie qui va suivre comment encoder les données dans la base, c'est-à-dire comment utiliser vraiment Hecatomb. Saisir vos données, mettre des fichiers, attacher des fichiers à des documents d'écrit ou même des documents qui n'existent qu'en version numérique. Vous n'avez pas la version papier, vous n'avez que la version numérique ou virtuelle du document. Comment les attacher? Comment attacher ces documents-là? Donc, dans la prochaine vidéo, c'est ce que nous verrons.